Les addictions de Pierre Palmade étaient connues de tous dans le milieu du showbiz. Ces dernières années, l'humoriste de 54 ans osait d'ailleurs en parler publiquement, lorsqu'il était invité dans les médias. Dans son entourage, plusieurs de ses amis ont été témoins de ses excès. Si est-il le cas de la comédienne Michèle Larocque, qui s'est d'ailleurs souvent sentie impuissante face à la déchéance de l'humoriste, mais également de Patrick Adler, une vieille connaissance de Pierre Palmade. Présent sur le plateau de l'heure des pros ce vendredi 24 février, celui qui évolue lui aussi dans le milieu de l'humour a évoqué les addictions de celui qui est désormais assigné à résidence, sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie d'un hôpital de la région parisienne, suite au grave accident de la route qu'il a provoqué, le 10 février dernier, en Seine-et-Marne. Il y a beaucoup de gens qui avaient la tête dans le sucre. Si est-il d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs exprimé. Quand j'ai vu que personne ne s'exprimait par rapport à ce sujet-là, que tout le monde feignait la surprise, je me suis dit, mais dans quel monde vit-on ? A déclaré en préambule celui qui a côtoyé Pierre Palmade dans la célèbre émission La Classe. Il y a un type qui était son manager à l'époque, qui a fait un bouquin là-dessus, qui était dans la chenouf. La drogue, note de la rédaction, aussi. Donc Pierre, il a été baigné dans cette piscine de stupéfiants, a-t-il affirmé. Mais vous, vous interveniez par exemple? Vous échangiez avec lui? A demandé Pascal Praud à son invité. On est tous intervenus mais que voulez-vous faire par rapport à un garçon qui pense qu'il a comme viatique la célébrité? S'est interrogé Patrick Adler, qui a maintes fois tenté de le mettre en garde. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michèle Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa ville Pierre Palmade, bientôt placées en détention? L'affaire Pierre Palmade a pris un nouveau tournant ce vendredi 24 février. Pour rappel, l'humoriste de 54 ans est depuis plusieurs jours assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et surveillé par un bracelet électronique. Dans la foulée, le parquet a fait appel de cette décision, jugeant cette sentence trop légère. Ce vendredi, la justice a donc statué sur cette assignation à résidence et décidé d'envoyer ou non le comédien en détention provisoire. D'après les informations de BFM Télévision, la décision sera finalement communiquée le lundi 27 février. L'audience, commencée à 9h et terminée après 10h, s'est tenue en huis clos, sans médias ni public. Tout le monde est sorti de la salle, ont indiqué nos confrères. Par ailleurs, Pierre Palmade n'était pas présent au tribunal. Il était représenté par son avocate, Céline Lazec, habituée des procès médiatisés, elle qui avait défendu le chanteur Bertrand Cantat au début des années 2000, coupable d'avoir porté des coups mortels sur sa compagne, Marie Trintignant. Crédit photo, Best Images.